partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guy Lavogui, est-ce que le 28 septembre, vous deviez être au stade? Bon, ça c'est à l'accoutumée, c'est la stratégie que Nadisha avait fait, qu'il nous a habitués à ça, quand ils sont le maire à la recherche. C'est pourquoi je me suis rendu à la recherche. Et vous aviez vu Dadis au stade? Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi alors vous êtes rentré au stade? Oui, je suis rentré au stade parce que j'ai vu les dispositifs qui sont rentrés au stade. Pour moi, il est parmi. Quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui est devenu ce dispositif que vous aviez vu? Ce dispositif a disparu à un moment donné, hein. Quelle a été votre attitude quand vous avez remarqué que ce dispositif finalement n'existe pas? Bon, je n'ai pas fait assez de temps au stade, donc je n'ai pas pu prendre des dispositions concernant cet état. Vous êtes rentré au stade. Était-ce un meeting du président Dadis? Vous dites? Je dis, dans le stade, est-ce que c'était un meeting du président de la République? Parce que vous étiez de la garde présidentielle. Oui, c'est pas un meeting du président Dadis, mais il avait prétendu de s'y rendre. C'est ce qui a motivé, quand on a vu la cortège, et quand je l'ai vu aussi personnellement, c'est ce qui m'a motivé de sortir. Mais, monsieur Guy Lavogui, vous saviez que le président n'avait pas sa place à cet endroit. Est-ce que vous, au moins votre bon sens, vous avez guidé dans... Oh, c'est maintenant que je me suis rendu compte à ça. Pour vous, le président pouvait aller partout, même dans un lieu où il n'était pas le bienvenu. Ben, c'est ce qu'il avait dit depuis le matin. L'état dans lequel il était le matin, est-ce que vous pensiez que cet état était normal? C'était pas normal, hein. C'est pas normal du tout, parce qu'il ne faut pas être agité à cette sorte. Monsieur Guy Lavogui, est-ce que le fait de vous rendre au stade ce jour-là, d'avoir vu un dispositif de la garde présidentielle, le fait qu'il y avait des bérets rouges au stade et qu'il y ait eu des crimes au stade, est-ce que cela n'implique pas, vous, votre responsabilité? Cela n'implique pas ma responsabilité parce que je ne suis pas... commandant de la garde présidentielle et ni un chef-section, je suis qu'un simple garde-corps. Il y a environ 30 à 45 minutes, vous avez dit ici que vous étiez prêt à sauver un de vos frères d'armes qui était, je ne sais pas, un certain Jeannot ou je ne sais pas, Sankara ou je ne sais pas. Sankara, voilà, je me rappelle. Vous étiez prêt à sauver quelqu'un qui était militaire comme vous, mais vous n'étiez pas prêt à sauver des Guinéens au stade? Bon, ce n'est pas les mêmes événements, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas sur le même terrain et ce n'est pas les mêmes conditions. Monsieur Guy Lavogui, vous êtes donc plus sensible au sort d'un de vos frères d'armes que de Guinéens qui étaient au stade, qui étaient les mains nues. Vous êtes plus sensible, vous êtes plus dans les prédispositions de sauver un militaire, de surcroît quelqu'un de la garde présidentielle comme vous, que de sauver des Guinéens qui étaient au stade. Ils m'ont posé la situation de destin. J'ai dit, si j'étais là, j'allais intervenir. Justement, M. Guy Lavogui, le fait que vous utilisiez le « si » est extrêmement important. Aujourd'hui, on est devant un tribunal criminel. Vous dites, si j'étais là. Ah, mais... c'est le 3 décembre. Voilà, ok, c'est le 3 décembre, mais le 28 septembre, il n'y a pas de supposition à faire. Vous étiez là. Non. Non, le 28 septembre, vous étiez au stade. Ouais, ça, c'est autre chose. Non, M. Guy Lavogui. Le 3 décembre, ne confondez pas. Non, on ne confond pas. Quelle est la question? La question, c'est pourquoi M. Guy Lavogui est beaucoup plus sensible au fait de sauver un de ses frères d'armes que de sauver des vies humaines ce jour-là? C'est ça la question, Monsieur le Président. Sauver vie humaine, je crois bien, j'ai beaucoup parlé de ma présence au stade et mon comportement au stade. Si vous n'avez pas pu prendre attention, que référez-vous à mes anciennes déclarations du lundi, depuis lundi?
Vous savez, vous avez plusieurs déclarations. Hein. Vous avez vos déclarations de la semaine dernière. Vous avez vos déclarations d'il y a 7 ou 8 mois, M. Guilavou. Ma déclaration du lundi passé, prenez cela. Monsieur Guilavogui, je repose encore ma question. Vous étiez au stade. Pourquoi vous n'avez sauvé aucun Guinéen ce jour-là? Selon vous. Oui, mais pas selon moi. Vous l'avez dit ici. Selon vous, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas tordre mon doigt de dire que je, ce que vous voudrez que je dise. Je ne vais pas dire des contre-vérités à ma propre personne. D'accord. On va quand même... peut-être revenir un peu en arrière. Vous dites que vous étiez au stade. Ce jour-là, est-ce que vous pouviez sauver au moins une seule personne dans le stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, quand vous êtes revenu, parce que vous avez dit que vous êtes retourné au camp Alpha Yaya, après la petite démonstration de force que vous avez faite ce jour-là, au niveau de Ambroise Paris, vous êtes tranquillement revenu au camp. Quelles sont les remarques que vous avez faites au camp ce jour-là? Je n'ai pas d'explication pour ça. Le camp, c'est le camp. Le camp, c'est le camp? Même après un pareil drame? Le camp n'est pas un quartier. Et c'est un quartier aussi, mais différent des autres quartiers. Différent des autres quartiers, c'est-à-dire? Ce n'est pas un quartier civil, militaire avant tout. Monsieur Guilavogui, je vous ai posé une question ici il y a quelques mois, de savoir si c'est le président de la République qui vous avait donné des instructions pour aller massacrer au stade. Vous avez répondu avec beaucoup de véhémence et de conviction ce jour-là. Vous avez dit ici que le président de la République ne peut pas faire ça. Vous avez même dit non, non, un président ne peut pas faire ça. Je vous repose la même question aujourd'hui parce que, voilà, apparemment vous êtes dans la peau d'un autre aujourd'hui, ou en tout cas depuis la semaine dernière. Je vous repose la question. Le président de la République a-t-il envoyé des gens pour massacrer au stade? Bon, le mot massacrer est très important. J'ai réexpliqué, réexpliqué. J'ai dit, un soldat qui n'a pas le niveau de formation, quand il l'envoie dans une mission, il peut faire des bêtises. Et c'est toi qui l'as envoyé, tu en as responsable. Parce que tu sais qu'on ne peut pas envoyer un soldat qui n'a pas de formation mûre et des bleus à ses fesses. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire, monsieur Guilavogui. C'est ma réponse. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Je dis, oui, et je réitère, que le camp Kalia n'était pas fait pour une mission de tel genre. Mais si le président en a fait usage, il est responsable. Parce que ce sont des bleus. Il faut 6 mois de formation pour être un peu... Et après, même ces 6 mois, il faut avoir des notions SIAT 1, SIAT 2, et puis des cours pour nettoyer le cerveau. Les cours de maintien d'ordre, les cours de CICR, de sécurisme. Ok, M. Guilavogui, ok, vous avez eu la chance d'avoir tous ces cours-là, hein? Le cours de maintien d'ordre, de droit international humanitaire, vous avez eu cette chance-là? On n'a pas eu tellement, mais on s'est adapté. Et est-ce que vous avez appliqué ces cours-là quand vous étiez dans l'intérieur du stade? Est-ce que vous avez mis en place un corridor de sécurité pour protéger les citoyens qui étaient là? Si j'étais accompagné des éléments, j'allais le faire, mais j'étais seul. Et vous n'avez pas pu sauver même une seule personne à l'intérieur du stade? Je l'ai parlé. Ce que j'ai pu faire, j'ai déjà expliqué ça. Je ne reviens plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je n'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, avez-vous été un acteur du massacre? C'est la même question. Je n'ai plus de réponse. J'ai déjà répondu ça.
Monsieur Guilavogui, pourquoi il y a 8 mois, M. Moussa Dadis Camara était innocent et aujourd'hui il est coupable? Qu'est-ce qui a changé? Bon, moi, je n'ai pas rendu le président Dadis innocent. Si, vous l'avez innocenté ici. S'il vous plaît, laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui vous voulez vous acharner sur moi de mes déclarations. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit ici que le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent. C'est un supérieur hiérarchique. Devant lui, il sait qu'il a fait, il devait assumer. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais comme il ne l'a pas fait... Maninka le coco est battu au bororo kasso. Si vous voulez parler dans une autre langue que le français, ok. Voilà, on vous demande qu'on fasse venir un interprète, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas ce que voilà. Vous dites. Je dis quand le féticheur, quand il y a un médicament dans le sac, il faut le laisser dans le sac et tu l'adores. Tu l'as ce que tu dois lui donner. Mais si tu fais sortir ça, tout le monde va voir et ton fétiche sera vu de tout le monde. Ok. Monsieur Guilavogui, est-ce que votre position actuelle est liée au fait que Monsieur Dadis Camara a fait montre d'un certain mépris à votre égard? Je n'ai pas bien saisi. Vous n'avez pas compris ma question. Oui. Je veux dire votre revirement. C'est-à-dire que vous êtes passé ici il y a 8 mois, vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas envoyer des gens au stade massacrer sa population. Moi, c'est la réponse que vous m'avez donnée ici il y a 8 mois. Aujourd'hui, vous dites que c'est sa responsabilité, il doit assumer sa responsabilité. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas non plus dit ici tout de suite que c'était sa responsabilité. Madame... Il devrait assumer sa responsabilité. Maître... Je suis en train de répondre à vos questions. Posez-moi des questions. Monsieur Guilavogui, votre revirement est-il lié au mépris que Monsieur Dadis Camara a à votre égard? Bon, s'il y avait mépris, depuis le départ, j'allais faire ce que je suis en train de faire. Pourtant, vous avez dit dans vos déclarations... Le mépris a commencé longtemps, avant même le 28 septembre. Ce n'est pas lié à ça. Je suis un homme avant tout, hein, je réfléchis. Il y a le temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir. Ça donne l'Ecclésiaste. Ok, M. Guilavogui, d'accord, on va suivre votre logique. Vous êtes allé au stade, il y avait une garde parallèle qui a commis des crimes. À votre retour au camp Alpha Yaya, est-ce que vous avez posé des questions à celui qui était à la tête, le commandant en chef des forces armées, sur ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un subordonné. Un subordonné ne peut nulle part venir demander son chef hiérarchique pour des comptes à rendre s'il n'a pas reçu un ordre concernant ce fait. C'est l'indiscipline, cela. Je ne suis pas un soldat indiscipliné. C'est donc qu'il l'a envoyé, ce sont eux qui l'ont rendu compte, ce sont eux qui discutaient avec. Monsieur Guilavogui, il y a eu plusieurs semaines après le massacre, beaucoup de choses dites qui ont été dites dans les médias, notamment sur la responsabilité de la garde présidentielle. Et vous, vous étiez membre de la garde présidentielle. Même à ce moment-là, vous n'avez pas senti le besoin de comprendre ce qui s'était passé au stade, parce que, étant de la garde présidentielle, votre responsabilité, tôt ou tard, aurait pu être mise en cause. Non, ça, c'est Dieu qui le sait, mais moi, je ne suis pas responsable de la garde présidentielle, je suis qu'un subordonné. Mais vous êtes là aujourd'hui devant ce tribunal en quelle qualité? C'est le destin. Et le tribunal appréciera. D'accord. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel. Maître. Vous avez dit à l'antam que vous demandez une protection. Est-ce que cela veut dire que vous êtes menacé ou bien vous êtes sur une pression de qui que ce soit?
J'ai demandé ça, c'est le terrain qui commande le corps. C'est notre pays, j'ai demandé la protection de ma petite famille, c'est tout. Donc vous n'êtes, à ce jour, vous n'êtes pas menacé? Moi, je ne suis pas menacé. Très bien. Est-ce que vous êtes le neveu de M. Moussa Dadis Camara? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous vous êtes fait passer pour le neveu de M. Moussa Dadis Camara pendant son règne? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Très bien. Vous étiez parmi le groupe qui assurait la garde rapprochée de M. Moussa Dadis Camara, n'est-ce pas? Jusqu'aux événements du 28 septembre 2009. J'ai largement expliqué ça, maître. Dans votre procès verbal, vous avez dit que votre équipe était constituée de 120 hommes répartis en trois groupes que vous agissiez par rotation. Est-ce que ce groupe était dirigé par M. Toumba Diakité? Le commandant Toumba était l'aide du camp. Il est proche du président. Il a été nommé par décret. Il y avait un commandant de salon pour le service de garde. Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Toumba? Non. Vous étiez qui dans ce groupe? J'étais. Quel était votre garde rapproché du président Moussa Dadis Camara. Il n'avait pas ici. Je n'ai pas reçu. Si j'avais un poste, j'allais le dire. J'avais un poste. Ce n'est pas un crime avoir un poste. Vous mais n'étiez pas l'adjoint de M. Toumba? Non, non, il n'y a aucun acte qui prouve que Marcel était adjoint à telle personne. Pourtant, dans vous l'armée, étiez... Dans l'armée, il faut... S'il n'y a pas de décret, mais il y a une note de service. D'accord. En tant que garde rapproché, vous receviez les ordres de qui? Je reçois les ordres de mon chef. Qui? Le commandant Toumba. Est-ce que vous receviez également des ordres de M. Dadis? Le président commande le pays, il a l'ordre de tous les militaires. Donc vous receviez les ordres du président Dadis et de M. Toumba? Je suis sous les instructions du commandant Toumba. Très bien. Si le président a besoin, il passe par son aide du camp. Votre dotation en armes et munitions était constituée de quoi? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans votre procès verbal, vous avez parlé d'un PMAK et d'un Code 45. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Donc, vous n'aviez que deux armes à votre disposition? J'avais deux armes. Voilà. Vous n'aviez que le PMAK et le Code 45 à votre disposition? Avant. Oui, avant, oui. Voilà. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, c'est les deux armes-là que vous aviez? Oui, bon, avec une grenade, je marche avec ça depuis longtemps, avant même l'avènement du 28 septembre. Une grenade? Oui. Donc ça fait trois. C'est comme vous voulez. Qui vous a doté de grenades? Qui m'a doté de grenades? Je vous ai dit que nous sommes. L'armée guinéenne, nous sommes tout le monde est doté de lui-même, dans les mitraillers militaires ici. Ah. Donc, vous étiez libre d'aller vous procurer des armes? Mais l'armée sans l'ordre de ici. Votre hiérarchie? L'armée s'est révoltée ici contre le général Lance-Raconte. Vous n'avez pas entendu ça? Vous étiez où? Mais les magasins ont été pillés. Un militaire ne peut pas manifester sans armes. Donc vous faites partie des gens qui ont pillé l'armurerie? Non, mais on n'a pas pillé, c'est pour nous. C'est pour nous? Oui. Vous êtes parti vous servir? On s'est servi pour le bien commun. Et votre hiérarchie était au courant que vous déteniez illégalement ces la armes? La hiérarchie même s'est dotée. Non, votre hiérarchie était au courant que vous avez illégalement des armes à votre possession. Mais l'armée guinéenne même en savait que c'est même pas la hiérarchie, toute l'armée guinéenne. C'est pas une personne. Très bien. Si on veut condamner, on condamne l'armée. Monsieur Marcel, le 28 septembre, vous avez dit les événements du 28 septembre, c'est monsieur Moussa Dadis Camara et colonel Thiebro qui ont planifié et fait exécuter. N'est-ce pas? Vous maintenez? J'ai beaucoup répondu à ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. La planification a consisté à quoi, selon vous? Je ne sais pas.
L'exécution. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Vous pouvez revenir, vous pouvez réexpliquer. Non, je n'ai plus de temps pour ça. J'ai plus de réponse pour ça. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? J'avais pas de montre pour déterminer l'heure. Mais c'était le matin. J'ai déjà répondu ça. Vous avez trouvé qui et qui? J'ai largement parmi expliqué vos amis gardes présidentiels. Maître, j'ai expliqué qui était à l'intérieur du stade lorsque vous êtes rentré. J'ai expliqué depuis lundi. Je crois que si vous n'avez pas de nouvelles questions, je vais vous répondre que j'ai répondu à ça. Donc vous étiez seul parmi la garde présidentielle? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. La garde parallèle, quand est-ce que vous avez su que capitaine Dadis a constitué à votre dépens une garde parallèle? Maître, j'allais faire que les gens vont dire que j'ai la mauvaise foi. Ce n'est pas, j'ai répondu à tout ceci là, je crois bien. Et définis même la garde parallèle ici devant non, vous. Non, je n'ai pas dit la définition. J'ai dit quand est-ce vous avez compris. J'ai parlé ça et si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai plus pu lui répondre à ça. Vous ne pouvez pas. Plus qu'on parle, plus qu'on dit des bêtises. Et moi je ne suis pas là à dire des bêtises, je suis là à dire que la vérité. Monsieur Marcel, vous étiez très fort. Vous-même, vous avez magnifié votre force à l'époque. Lorsque vous avez compris qu'il y a une garde parallèle, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher l'existence de cette garde parallèle? C'est le président de la République à répondre à cette question. Moi, je ne suis pas là pour anéantir le plan de quelqu'un. Non, donc, j'observais et je m'adaptais à la situation. Donc vous avez accepté? Pas accepté, mais c'est le pouvoir. Mais vous n'avez rien fait pour empêcher? Alors que vous étiez fort. Je n'avais pas de possibilité pour empêcher. Est-ce que vous avez manifesté votre mécontentement ou votre désaccord? Mécontentement ou pas, je le disais, la vérité, des fois. J'ai dit, tu es en train de nous trahir. Mais malgré tout, vous avez continué à le servir comme avant. C'est ça. Malgré l'existence de la garde parallèle. C'est ça la mission d'un militaire. Le militaire doit combattre jusqu'à épuisement du moyen de force. Dans ces conditions, si la garde parallèle commet des crimes, est-ce qu'on ne peut pas vous associer à ces crimes? Non, on ne peut pas m'associer parce que je ne fais pas partie de la garde. Pourquoi? Parce que vous avez accepté la situation, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas président. Ce n'est pas moi qui ai créé. Mais vous avez accepté. Je n'ai pas été consulté pour que je puisse accepter. D'accord. Au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qu'est-ce que vous avez fait réellement? J'ai largement parlé de ça. Si vous n'avez pas de questions... Vraiment, maître, passé. Avez-vous tiré à bout portant sur les citoyens désarmés ce jour? Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai largement pas suffisamment parlé de ça. Il ne faut pas tordre les doigts des gens pour venir dire des conneries. Non, je ne vous tords pas les doigts, monsieur Marcel. Non? J'ai demandé ce que vous avez fait. J'ai expliqué largement ici tout ce qui s'est passé. Je pense que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez laisser. Qui vous a envoyé au stade? Je ne sais pas. Vous avez reçu des instructions ou bien vous êtes parti de vous-même? Moi, je suis un garde du corps. Quand le président sort, je vais à sa recherche et je fais mon service. C'est ça mon service. Vous étiez parti avec combien d'hommes? J'ai plus de réponse à cette question. Parce que vous ne pouvez pas, à l'époque, vous étiez tellement fort, vous ne pouviez pas partir seul, n'est-ce pas? Selon vous. Est-ce que vous pouvez vous partir seul, M. Marcel? J'ai déjà répondu à ça. Je crois bien. Le tribunal même est témoin. D'accord. À la clinique, vous avez reconnu que c'est vous qui déteniez les grenades, n'est-ce pas? Vos menaces ont consisté à quoi?
Pourquoi vous avez menacé la clinique? Je n'expliquerai plus la clinique Ambroise. Je passe sur ça. Si vous n'avez pas de questions, maître, vraiment, passez le micro à d'autres personnes. Monsieur Guilavogui. Quand même, moi, je vous respecte, monsieur Marcel. S'il vous plaît. Excusez-moi du terme. Vous êtes là, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Vous êtes là pour répondre aux questions. Merci, maître. C'est votre droit de dire que vous ne répondez pas. Mais on va vous poser toutes les questions. Merci. Voilà. Merci. Allez-y, maître. Excusez-moi. Je vous excuse. Monsieur Marcel Guilavogui, on retient qu'à la clinique, il y avait trois groupes. Voire deux. Votre groupe, le groupe de Monsieur Toumba et le groupe de Monsieur Thiebro. Vous faisiez allégeance à quel groupe entre M. Toumba et M. Thiebro? Maître, je vous ai expliqué largement sur la situation de la clinique. Je n'ai plus de réponse concernant la clinique Ambroise. Est-ce qu'on peut retenir que c'est vous qui avez menacé de faire exploser la clinique si on traitait les leaders ce jour? J'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Après la clinique, M. Toumba est parti avec les leaders au camp Samori. Vous les avez suivis également? Oui, vous êtes en train même de parler de contre-vérité. C'est le camp Samori? Oui, j'ai posé la question, je ne sais pas. Moi, j'ai été au camp Samori avec Toumba. Après la clinique, vous avez fait quoi? Maître, j'ai suffisamment parlé de ça. J'ai plus de réponse à ces questions. C'est votre droit. Est-ce que vous avez suivi la déposition de M. Cécé Raphaël Abba ici à la barre? Vous pouvez me rappeler? Il a dit qu'après le 28 septembre, vous l'avez traqué, vous l'avez menacé de mort. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Non. Vous l'avez pas traqué? Non, mais ça c'est le 3 décembre. On ne prenait même pas sur le dossier là. Oui, c'est après le 28 septembre, j'ai dit. Voilà. C'est Raphaël. Je ne peux pas faire du mal à C.C. Raphaël. C'est moi qui ai présenté Toumba et moi au président d'Addis. C.C. Raphaël, c'est ses déclarations. Peut-être il voulait parler ainsi, mais je ne peux pas. Son jumeau même, c'est moi qui l'a sauvé. C'est Raphaël, il est jumeau, hein. D'accord. Voilà. Si vous voulez le faire du mal, je ne peux pas sauver son jumeau. Et même d'autres. Ok. Monsieur Marcel. Monsieur Toumba vous a accusé à la barre ici. Il dit que toutes les exactions, c'est vous qui étiez à la tête, c'est vous qui coordonniez. Est-ce que M. Toumba a un intérêt quelconque à vous accuser? Étant son adjoint. Comme vous dites, moi je ne suis pas adjoint à Toumba. Vous étiez son subordonné quand même. Toumba qui a dit ainsi, pour moi il s'est trompé, c'est tout. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Est-ce que vous avez confiance à M. Toumba? Confiance. Oui. Dans quel sens? Dans tout. Bon, c'est un chef, j'ai confiance. D'accord. Est-ce que lui, il peut mentir sur vous? Mentir? Ou des contre-vérités? C'est ça le terme. C'est un être humain. Il peut le faire ou bien il ne peut pas le faire? Je ne peux pas commenter. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. C'est un être humain, il peut oublier le langage, mais ce n'est pas Marcel. D'accord. Vous avez parlé, lors de votre deuxième passage ici, des fosses communes, des disparus. Vous avez même exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leur. Que savez-vous des disparus, M. Marcel? Maître, j'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas dit ça quand même au hasard. C'est vous qui l'avez dit librement. En ce moment,
Les questions n'avaient pas commencé. Oui, vous savez, vous-même, vous posez des questions, vous avez les réponses dans votre main. J'ai parlé. Non, je sais pas. Non, nous voulons savoir. C'est ma façon de parler et j'ai expliqué. Nous voulons savoir, en tant que partie civile, oui. Où se trouvent les fosses communes. Comment les corps ont été acheminés? Par quel moyen? Je n'ai pas été associé à ça. Je ne connais pas où on a mis ces corps. Si je le savais, je suis devant l'histoire, j'allais le montrer. Pourtant, vous étiez un homme très actif du CNDD et des événements du 26 septembre, n'est-ce pas? Vous voulez mettre tout sur Marcel et vous ne... Non, je ne veux pas mettre tout sur vous. Nous voulons savoir la vérité. Mais c'est cette vérité qui est en train de relater, vous voulez tordre mon doigt. Vous êtes un acteur principal des événements du 28 septembre. Il y a eu des disparus. Vous-même, vous avez exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs parents. Où se trouvent les fosses communes, monsieur Marcel? Maître, ne tordez pas mon doigt, je le répète et je réitère. Si je savais, j'allais le dire. Je n'ai pas été consulté. Ni au ramassage, ni au déploiement pour la force commune. Mais vous avez joué quel rôle? Parce que vous étiez quand même garde rapproché et homme de confiance et de M. Toumba et de M. Dadis. Si. Qu'avez-vous fait je n'ai pour... pas... les événements du 28 septembre, avant et pendant et après? C'est ce que je vous ai expliqué. Je n'ai plus de commentaires à ce sujet. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, vous êtes parti du camp Alpha Yaya pour le stade. Un jour où des civils font une manifestation, désarmés. Vous n'étiez ni policier ni gendarme. Pourquoi vous êtes parti? Parce que mon chef a prémédité qu'il devait sortir, qu'il est sorti, qu'on est parti à sa recherche. Et ce n'était pas un fait inhabituel, c'était habituel, il est habitué à ça. Donc vous étiez prêt à protéger et à sauver votre chef à tout prix? C'était ma mission. Un garde-corps, c'est sa mission. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez étouffé le meeting du 26 septembre et perpétré les crimes qui ont eu lieu ce jour dans le cadre de la protection de votre chef? Je n'ai pas participé à ce que vous déclarez. Vous avez participé à quoi? Je ne sais pas. À l'hôpital Donka, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne suis pas docteur pour aller à Donka. Mais vous étiez un officier chargé de protéger le pouvoir de M. Dadis. Je ne suis pas ce soldat. Hein? Vous n'êtes pas le soldat qui... Protéger Dadis. Dadis n'était pas parti à Donka. Oui, mais les blessés et les morts, on les a envoyés tous à Donka. Moi, je ne sais même pas si j'ai envoyé des blessés à Donka. C'est ici que j'ai appris tout ça. Moi, je ne suis pas parti à Donka, dans une clinique, à votre raison, Donka. La pharmacie centrale, est-ce que vous avez participé au pillage de la pharmacie centrale? Ne péchez pas contre Marcel. Dieu nous regarde. Vous n'avez pas répondu à la question? C'est ma réponse. Je n'ai plus de réponse, j'ai beaucoup commenté sur ça. Mais ne péchez pas sur ma personne, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas votre personne. Oui, mais vous nous savez... Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre les pays. Les déclarations des partis civils ici. D'autres disent même c'est un policier, d'autres disent c'est tel. C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Question. Monsieur Marcel, vous avez dit, monsieur Dadis, n'a qu'à reconnaître ce qu'il a fait. Vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà répondu ça et je n'ai plus de commentaires pour ça. Si M. Dadis Camara demande pardon, est-ce que vous aussi vous êtes prêt à demander pardon?
Si j'avais fait quelque chose de tort, j'allais demander pardon au peuple de Guinée. Et je sais que le peuple allait m'accorder le pardon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Marcel, vous avez fait des déclarations écrites ici. Est-ce que je peux avoir une copie de ces déclarations? Bon, c'est moi-même qui ai écrit ça, c'est avec moi, dans mon sac. Si vous voulez, je vais photocopier tout, vous remettre. Bien, donc je vais demander à votre conseil, votre avocat, pour qu'il me les remette, n'est-ce pas? Si je le veux, c'est moi personnel, si je le veux, je vais vous donner. Posez une autre question, maître. Bien. Il vous a répondu clairement. Bien. Alors, le matin du 26 septembre, vous étiez encore sous le choc de votre accident. Vous êtes venu chez Dadis. Vous l'avez trouvé, il était en train de s'adresser. Il parlait de ses événements, la marche, les manifestations des leaders avec les militants. Alors, vous avez dit que vous l'avez trouvé en train de parler, de s'adresser. Il s'adressait à qui principalement? Maître, je n'ai plus d'explication sur ça. Dadis disait, capitaine Dadis disait, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce qu'il s'adressait aux gardes de salon? Est-ce qu'il s'adressait à la garde parallèle? Est-ce qu'il s'adressait à son aide de camp, Monsieur Marcel? J'ai beaucoup expliqué ça et je crois que vous avez entendu des réponses concernant cet effet. Prenez ce que j'ai déclaré. Je n'ai plus d'explication sur ça. Bien. Dans les explications précédentes des autres accusés, il a été état de mésentente entre ces gardes rapprochés au garde présidentiel de capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous vous étiez opposé à un d'eux? Il y avait des rivalités entre vous et un d'eux. Je ne comprends pas la question. Ma question, quand on a écouté certains accusés ici, à la barre, ils disaient que ça n'allait pas entre ces gardes. Tantôt, c'est colonel Tiburo, alors qu'il n'était pas d'accord avec le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Tantôt, c'est M. Claude Pivi qui n'est pas d'accord avec Toumba. J'ai dit, est-ce que vous aussi, vous n'étiez pas d'accord avec un d'eux? D'accord ou pas, nous sommes la garde rapprochée. Ces événements, ces disputes se passaient à nos yeux. C'était créé par le capitaine lui-même, divisé pour régner. Un lieu pollué comme ça ne peut pas avancer. Il faut mettre le point sur les i quand il y a des circonstances pour éviter le désaccord entre tes hommes. Mais si c'est ce qui a été profitable pour lui, voilà le résultat. Il est arrivé même à intervenir entre vous, ces gardes, parce que vous n'étiez pas d'accord entre vous. Qu'en dites-vous? Bon, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas intervenu pour moi personnellement. À ce fait. Voilà. Moi. Je parle de moi. Bien. Mais entre vous et commandant Toumba, ça n'allait pas? Non. Il a donné deux exemples ici. Je vais les réitérer pour vous. Il disait à cette barre,
qu'un jour, il était dans le cortège, vous êtes venu, vous arrêtez devant son véhicule et vous avez voulu qu'il ne s'aligne pas, qu'il ne suit pas. Et il aurait donné l'ordre à son chauffeur que s'il s'arrête, marche sur lui. Est-ce que cela s'est passé? C'est sa déclaration, moi je n'ai pas senti ça. C'est lui qui l'a déclaré, c'est lui qui l'a déclaré, c'est lui qui doit développer ça. Moi je n'ai pas constaté de rupture entre moi et le commandant Toumba. Bien. Un deuxième exemple, vous seriez venu lui tendre la main quelque temps après, toujours dans les mêmes circonstances. Il a dit, si tu me salues, je te casse le bras. Il a répété ça ici. Est-ce que ce n'est pas une rivalité, ça? Moi, je ne peux pas être en rivalité avec le commandant Toumba. Voilà. Bien. Vous avez souligné dans vos déclarations qu'il n'y avait pratiquement pas de garde présidentielle au stade du 26 septembre, à part vous-même et commandant Toumba, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait partie de la garde rapprochée réelle du président du salon. Je n'ai pas vu. Si je l'avais vu, je l'ai nommé. Mais Begré était là-bas? Oui, Begré était la garde parallèle, il était au camp Koundara. Je ne sais pas si c'est qui l'a appelé de venir au stade. Garde parallèle, il y avait aussi Makambo. Le chargé d'opération du président. Il était de la garde parallèle aussi, ça c'est garde parallèle? C'est ça, c'est la garde parallèle, c'est ce qu'on appelle garde parallèle. C'est un terme que vous utilisez. C'est ça. Bien. Et Monsieur Pivi, Claude Pivi, il était aussi au stade? Je ne l'ai pas vu. Mais il a été démontré ici par une photo lorsqu'une des victimes est apparu ici et il dit qu'on l'a fait monter dans une pick-up dans lequel était M. Claude Pivi. Ils l'ont amené jusqu'à Bomboli. En le traînant au sol, il était encore là. On a vu ces jours beaucoup de questions et M. le procureur a fait la démonstration dans son ordinateur en zoomant la personne qui était arrêtée. Et tout le monde a vu que c'était Claude Pivi. Qu'en dites-vous? Comme moi, je n'ai pas vu la photo, j'étais dans les box des accusés. Je n'ai pas fait assez de temps au terrain. S'il est venu là-bas, je ne l'ai pas vu. S'il est venu après nous, ça, je ne peux pas témoigner ça. Mais moi, personnellement, je parle de Marcel. Marcel n'a pas vu Claude Pivi. Monsieur Cécile Raphaël, Monsieur Paul Mansa, qui l'a voulu, ils étaient tous au stade. Je ne les ai pas vus, ils sont partis. Colonel Goumou était au stade. Je n'ai pas vu Goumou, je les connais. C'est ici, moi, j'ai connu Goumou. C'est à la maison, c'est ici, il est revenu là que je l'ai vu. Monsieur Tchibourg était au stade. Lui, je l'ai vu. Tout ceci sont la garde parallèle. Il n'était pas de l'armée régulière. Mais vous dites, vous pensez que être garde parallèle n'est pas être l'armée régulière? Ou bien c'est des mercenaires? Non. Moi je ne sais pas. Vous avez dit, lorsqu'on a dit, parlant des recrues de Kaléa, quelqu'un les avait appelés ici comme milices. Vous avez dit que ce ne sont pas des milices. Ce sont des soldats guinéen qui a été recruté là-bas. Et vous nous parlez de garde parallèle. Mais comment vous pouvez nous expliquer le terme garde parallèle pour qu'on soit convaincu? J'ai déjà donné cette définition plusieurs fois. Je ne reviens plus sur ça. Et je ne sais pas comment vous voulez définir pour à votre manière. Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de la garde parallèle? J'ai déjà répondu ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Merci, M. Marcel. Nous allons continuer. Alors, puisque ceux qui sont venus au stade étaient coiffés également de bérets rouges, n'est-ce pas? Je
pas tous. Certains parmi eux étaient coiffés de béret rouge. La question, je lui demande si certains parmi eux étaient coiffés de béret rouge. J'ai déjà répondu ça. Bien, vous-même vous étiez coiffé de béret vert ou bien de béret noir ou bien de béret rouge, vous-même? Tous ceux qui étaient à la présidence portaient le béret rouge. Très bien. Alors, qui a dirigé toutes ces opérations au stade du 28 septembre, y compris ces bérets rouges, ces quelques bérets rouges qui étaient là-bas, qui ont exécuté les ordres? J'ai expliqué ça. Je crois bien. Je ne reviendrai plus sur ça. Le commandant Toumba dit que c'est vous. Qu'en dites-vous? J'ai plus de commentaires sur ces questions. Bien. En retirant votre passeport, capitaine Moussa Dadis Camara a voulu quoi de vous? Quel était le but lorsqu'il a retiré votre passeport pour vous empêcher d'aller à l'étranger suivre votre formation? Ce n'est même pas le jour du pouvoir que cela s'est manifesté à l'Argentine. C'est avant même les événements du pouvoir. Lui-même, il ne voulait pas que je parte pour son intérêt personnel. Quel était cet intérêt-là? Je voulais savoir le but, là, le but. Oh, je ne connais pas ça, mais il m'a retiré mon passeport de rester. Il n'était ni président. Quelle autorité il avait pour vous retirer ce passeport pendant que vous avez déjà la bourse, vous êtes admis? Il ne m'a pas retiré le passeport avant le pouvoir. J'ai bien dit ça ici. À quel moment il vous a retiré le passeport? C'est pendant le pouvoir de CNDD que tout a été acquis pour l'Union soviétique. On partait à l'état-major, au ministère de la Défense, pour faire les formalités. Ça a été acquis maintenant parce que l'État c'est une continuité et on était admis à travers un test. Donc la Russie a débloqué ça et voilà les jours. Et moi j'ai demandé d'aller dire au revoir au président. J'étais en veste. Voilà. J'étais prêt maintenant pour l'aéroport. Voilà. Arrivé, j'ai été dissuadé et je sais que j'ai beaucoup largement expliqué ça. C'était au temps du CNDD. Bien. Est-ce qu'il en a fait à d'autres personnes, d'autres militaires qui avaient eu telle bourse pour aller sur la formation? Est-ce qu'il en a fait pendant son règne? C'est pour moi que je sais, je ne connais pas pour d'autres personnes. Et vous avez dit que son acte-là a été entériné par général Sekouba Konaté, et quand vous en avez parlé au commandant Toumba, lui aussi dit ah, il faut rester. C'est ça, non? C'est ça, vous expliquez les mêmes choses. Je crois que posez des questions. Oui, c'est la question que je pose. Quel était maintenant le but? Est-ce que parce que vous étiez un homme influent, il vous a connu à la tête des soldats qui manifestaient? C'est pourquoi je dis qu'il m'a trahi. Quel poste qu'il m'a donné? Quelle responsabilité? Quel bonheur que j'ai eu? Aucune récompense, mais vous êtes resté quand même très fidèle, très loyal. Mais je suis militaire avant tout. Je vais aller où? Les autres ont déjà voyagé. Je vais faire quoi? Prendre l'arme contre lui? Non? Est-ce que c'est pas pour perpétrer ce qui s'est passé au stade du 28 septembre parce que vous aviez vraiment ce talent de mobilisateur? Mais on a pris le pouvoir dès le début du pouvoir. C'est dès le début du pouvoir que cela s'est manifesté. C'est pas le 28 septembre. Bien. D'où est venue cette énergie que vous avez eue le matin du 28 septembre? D'autant plus que juste presque avant même une semaine, vous aviez eu un accident. Alors votre langue était coupée. Même la veille, le 27, pour même assister à la manifestation des parents,
Il a fallu que le commandant Toumba vienne vous forcer parce que vous étiez malade. Maintenant, je veux savoir d'où est venue cette énergie que vous avez, cette force, en tout cas extraordinaire, ce matin du 28 septembre jusqu'à se retrouver au stade. Il faut qu'on demande à Dieu pour ça. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui guérit. Vous ne prenez pas autre quelque chose qui essaie de un peu dénaturer votre conscience habituellement? Je ne sais pas où vous voulez aller. Là où je vais aller, c'est parce que tout simplement, vous avez eu cette force extraordinaire ces jours. C'est selon vous, cette force extraordinaire. Oui, vous êtes venu jusque... D'abord, vous êtes habillé. Votre papa même était malade, vous l'avez déclaré ici. Vous êtes habillé, le laissé malade. Vous-même, vous étiez malade. Mais vous avez même pris la grenade. Vous êtes habillé en bon soldat et venir au stade. Et vous avez poursuivi même des convois au niveau de la clinique jusqu'à l'état-major. C'est pour cela que je pose la question. D'où est venue cette force? Il faut être militaire pour être adapté au service militaire. On est formé pour ça. Bien. À la barre ici, certains des co-accusés vous ont appelé neveu de Dadis. Et ils sont même allés jusqu'à dire bébé hollandais. Ça, c'est pour vraiment magnifier les belles relations qui étaient entre vous et capitaine Dadis. Qu'en dites-vous? On a tellement expliqué ça. Vous voulez qu'on parle d'autres choses que vous voulez qu'on dise? Moi, je suis Thomas. Ma mère est Thomas. La forêt a un brassage culturel quand même. C'est dans ce sens. Voilà. Bébé hollandais, ça signifie quoi? Vous dites? On a parlé ici, lorsqu'on parle de capitaine Marcel, on dit, ah non, lui c'est le bébé hollandais. Même c'est ça, je le dis, oncle. Non, bébé hollandais, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est pas... Ça, ce n'est même pas français, ça. Bébé hollandais, ça c'est au centre d'instruction, les sacs qu'on met au dos sur les soldats quand ils sont en punition. Comment Marcel peut être bébé hollandais? Ceux qui ont utilisé n'ont qu'à venir définir leur bébé hollandais. Ils l'ont défini en tenant compte de la chaleur de vos relations. Tellement vous étiez proche, étiez tellement chichoué par capitaine Dadis que vous étiez même devenu son bébé. Ouais, c'est ça? Si j'étais ainsi, j'allais avoir aujourd'hui où dormir, ou j'allais avoir aujourd'hui l'homme qui a au moins quelque chose en main, voilà, ou bien un poste de responsabilité qui pourrait être dit devant le peuple. Il ne peut pas être des termes comme ça pour pouvoir dire seulement ce que tu veux dire, et tu ne peux même pas donner des preuves. Quand on aime un enfant, on le donne tout, hein. Bien. Comment expliquez-vous cette rencontre au même lieu, c'est-à-dire au stade 28 septembre, par vous tous qui êtes ici à la barre, alors que vous n'étiez pas d'accord entre vous, mais vous, est-ce que c'est un rendez-vous, c'est un hasard, est-ce que c'est l'ordre que capitaine Dadis a donné le matin qui a été exécuté à ce jour-là, là-bas? Parce que vous tous, vous étiez venus au stade au même moment, les crimes se sont perpétrés, hein, en votre présence et sous vos ordres. Comment pouvez-vous expliquer ces circonstances-là? Ça, c'est le comportement du président Dadis. C'est sorti. Voilà, c'est sorti qu'il faisait avant. Il sort sans consulter même son aide du camp, des répétitions, il nous a habitués à ça, et lui-même le matin, il a dit qu'il devait sortir, donc pour sensibiliser, il a nourri tout le monde dans l'esprit là, et malgré l'instruction du commandant,
Tumba, il n'est pas sorti. Je ne sais pas pourquoi il est sorti. Nous, notre devoir, c'est de rendre la sécurité. Voilà, si le destin nous a fait retrouver là, moi, je n'avais pas de contre à bout à rendre à personne, si ce n'est que le commandant Tumba. Il s'est avéré qu'aucun de vous n'a déclaré avoir été ailleurs à sa recherche. Ne l'ayant pas trouvé, vous êtes venu au stade. C'est-à-dire, tous se sont dirigés comme les oiseaux qui ont vu un champ mûr, et tous accourent vers là-bas. Les oiseaux? Les oiseaux. Vous nous traitez des oiseaux? Je n'ai pas de réponse pour cette question. J'ai dit comme si c'était des oiseaux. Je ne prends qu'un exemple. Hein. Les oiseaux, quand ils voient un champ qui est mûr, ils se drainent là-bas le matin. Et voilà, on a constaté que tous, vous les chefs militaires, vous êtes tous des chefs militaires, aucun de vous n'est subordonné. Vous aviez votre groupe, vous Marcel, M. Tumba son groupe, colonel Tegoro son groupe, colonel Pivis, commandant Pivis son groupe. Quelle est la question? Voilà, c'est-à-dire, je veux savoir pourquoi tous se sont rencontrés. Est-ce que c'était un hasard? Ou bien c'est la mission qu'ils sont venus exécuter, la mission reçue le matin de... Il a répondu à cette question. Il l'a répondu. Bien. Venons aux relations entre Capitaine Dadis et Cécile Raphaël Haba. Vous avez dit qu'il le connaissait déjà, que tout ce qu'il a dit ici, ce sont des contre-vérités. Vous maintenez cela? Maître, vous revenez seulement en arrière pour faire vraiment retarder. Je dis que c'est CC Raphaël là-bas. Moi, je suis adjudant du bataillon de Karl Fayaya. Je connaissais CC, son attitude, sa discipline. C'est nous qui l'avons présenté au président Dadis. Et à part ça même, le président Dadis même, CC a eu des triplés dont il a donné le nom à la première dame, paix à son âme, Mariette, du feu général Anselin Conté. CC a pris ses trois triplés, ses trois bébés, l'a envoyé jusqu'au camp Samori dans le bureau du président. En ce moment, il était lieutenant, je pense bien, si j'ai une bonne mémoire. Lui dire pour qu'il puisse rencontrer la première dame. Donc c'est la relation qui fait cela. Donc c'est le président même qui l'avait cortégé juste devant cette dame pour lui présenter son homonyme. Tu ne peux pas faire ces actes, c'est des preuves pour montrer que le président peut-être à la mauvaise foi, peut-être de ne pas reconnaître CC. Ça, c'est choquant. Merci vraiment pour ces détails. Donc, ce qui signifie que le fait que le président, alors, ait dit ici, ce sont des contre-vérités qu'il ne connaissait pas CC Raphaël. Merci vraiment pour ces preuves. Alors, vous avez dit que les événements du 3 décembre 2009 constituent les conséquences des événements du 28 septembre. N'est-ce pas? C'est ça que je vais dire. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez démontrer le lien entre ces deux événements? Ces deux liens, ces deux mouvements qui n'ont pas été exécutés au même moment, au même temps, se rassemblent. Parce que si Tumba a dit face à son chef, c'est dû menacer, c'est tout. Mais il a été expliqué ici, je crois, autre chose. Est-ce que ce n'est pas mieux que vous vous appuyez sur ça? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. Il y a deux militaires qui avaient fait l'objet d'arrestation et c'est à la suite de leur libération illégale. Le président s'est senti vraiment furieux et il est venu vers lui pour lui faire comprendre quelque chose. C'est ça. Vous n'êtes pas militaire.
Comment un chef d'État peut aller arrêter ou bien aller vers son aide du camp? Il faut l'appeler. Ou tu es, viens là, c'est tout. Ou tu le fais arrêter. Mais toi, ta propre personne accompagnée par les gendarmes. Je pense bien, je n'étais pas dans ce milieu, mais il paraît que le général Baldé était là. Partout il y a la gendarmerie, c'est les arrestations. Oh, il s'est senti menacé, il a agi en commando. Ces arrestations étaient liées aux événements du 28 septembre. Bon, moi je ne suis pas au courant de ça. En ce moment, arrestation, qui va arrêter qui? En ce moment, il y avait la commission d'enquête internationale ici. Et ces deux éléments avaient été arrêtés dans le cadre de ces enquêtes. Laissez-moi terminer. Tant par commandant Toumba que par M. Ceci Raphaël, alors ils ont répété la même chose parce que les deux étaient ensemble en disant si les deux sont arrêtés, notre tour, c'est pour demain. Bon, ça c'est selon leur analyse, mais moi personnellement, est-ce que cette commission d'enquête avait ordonné au président Dadis d'ordonner son chargé d'opération d'aller arrêter telle personne? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Alors, est-ce que lorsque vous dites que personne n'a été arrêté au temps du règne de Dadis dans le cadre de ces enquêtes liées aux événements du 28 septembre, est-ce que vous-même, vous ne vous contredisez pas ou bien est-ce que vous ne dites pas les contre-vérités? J'ai pas bien saisi votre question. Puisque les événements du 3 décembre ont eu lieu à la suite de l'arrestation des deux, et vous vous dites, vous venez d'affirmer ici, que capitaine Dadis n'a arrêté personne lié aux événements du 28 septembre. J'ai dit, est-ce que ce que vous dites là ne constitue pas la contre-vérité? Mais les contre-vérités sont claires. Quand on parle d'arrestation concernant le 28 septembre, mais si les enquêteurs ont demandé d'arrêter une personne, mais c'est à la gendarmerie qu'il faut passer, c'est pas des bérets rouges qui vont arrêter les bérets rouges. C'est Makambo qui a arrêté ces hommes, je pense bien. C'est ce qui a mis de l'huile dans le feu. Eux qui il fait partie de la garde parallèle. Et il y avait des menaces d'arrestation concernant qui, je ne sais pas. Voilà, il ne peut pas être au fou et au mollet. Le président Dadis, c'est lui-même qui a créé la merde. Capitaine Marcel, je termine par une question. Est-ce que vous allez promettre au tribunal de revenir pour une troisième fois pour redire ce que vous avez fait vous-même? Je n'ai plus, je ne reviendrai plus sur ça. C'est mes déclarations et c'est formé, c'est signé et cacheté par Marcel. Vous étiez avec qui dans votre voiture, dans votre véhicule? J'ai déjà répondu à ça. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique, Pasteur? Vous dites? Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique, Pasteur? Qui vous a appelé? Qui vous a informé? Qui vous a dit d'aller là-bas? J'ai expliqué le scénario, je crois que vous étiez là, je vous ai vu ici depuis le début, donc je n'ai plus de réponse pour ça. Qu'est-ce que vous étiez parti faire à la clinique Pasteur, à la clinique Ambroise Paris plutôt? Je n'ai plus de réponse pour ça. J'ai largement expliqué ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez sorti à la recherche du président Dadis, Moussa Dadis Camara? Cela a été plusieurs fois répondu. Je crois que vous voulez que je dise le contraire. Une fois au stade, vous avez parlé d'un dispositif. Expliquez-nous, c'était quoi le dispositif? Et ce dispositif appartenait à qui? Je parlais, j'ai expliqué comment je suis rentré, comment je suis sorti. Je crois que je ne peux plus naviguer hors de ça. Non, je ne vous dis pas comment est-ce que vous êtes sorti. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous êtes sorti. Je vous demande de nous éclairer
davantage à propos du dispositif dont vous avez parlé ici. Des pick-up militaires. Ouais, il y a des pick-up blanches, d'autres camouflages, comme ça. Et ces pick-up blancs, à l'époque, appartenaient à quelle unité? Ça, c'était la garde parallèle. Hein. Nous on n'a pas été dotés de ça. Donc, c'est la garde parallèle qui utilisait les pick-up blanches. Ouais, je ne sais pas où ils ont structuré ça. Blancs, plutôt. OK. En tout cas, moi, je n'avais pas été doté de pick-up. D'accord. Donc, vous en avez conclu que le capitaine Moussa Dadis Camara pouvait se retrouver dans le stade. Ah oui, oui, il l'a dit, il a prémédité. D'accord, c'est pourquoi... Et il est habitué à le faire. D'accord, c'est pourquoi vous y êtes rentré. Oui. Est-ce que vous avez constaté sa présence? Bon, j'ai dit que je n'ai pas constaté sa présence. D'accord. Alors, d'habitude, quand vous sortez à la recherche du président qui sort sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce qu'il y a un moyen de communication? Ou bien vous... Comment ça se passe? Bon, si le lieu est indiqué, on bondit sur le lieu. Sans téléphone, non, rien. On bondit sur le lieu, c'est tout. C'est ça? Vous n'aviez pas de téléphone? Si vous ne connaissez pas le lieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer. Mais une fois que vous êtes persuadé qu'il est déjà là, donc c'est là-bas. Est-ce que vous aviez à l'époque le numéro de téléphone du président Dadis? Oh, je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. Non, est-ce que vous aviez son numéro de téléphone à l'époque? C'est ce que je vous dis, je n'ai jamais appelé le capitaine Moussa Dadis Camara au téléphone. Mais il est là? D'accord. D'habitude, je ne parle maintenant pas seulement que de Marcel. Je parle de la garde présidentielle. Vous tous. Lorsque le président... C'est quand même le président, le chef de l'État. Vous êtes chargé de sa sécurité. Alors, lorsque lui, il sort seul, ou en tout cas sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là-bas, parmi les gardes présidentiels, détient un téléphone quelconque pour pouvoir communiquer avec les proches du président ou le président lui-même? Si on ne connaît pas sa position, sa position c'est indiqué. C'est indiqué comment? Dès qu'on comprend qu'il est dans tel point, on rentre, on va vers lui. Souvent, comment vous comprenez souvent qu'il est à tel endroit, à tel endroit? Plusieurs fois. Des fois, par Talki. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Par Talki. Oui. Et qui détient le Talki? Bon, il y en a plusieurs, hein. Sauf le service de transmission qui pourra nous détecter ça. Chez vous, qui s'occupait de la transmission? Ah, il est décédé, hein, c'est Kolo. C'est un ami du président Moussa Dadis Camara. D'accord. Si Kolo n'est pas là, vous... Je ne suis pas de la transmission. D'accord. Si Kolo n'est pas là, si aucun élément de la transmission n'est là, vous, les proches du capitaine Dadis, vous qui avez tout commencé dès le départ, comment est-ce que vous communiquez? Parce que quand même, vous êtes parti de loin pour vous retrouver au lieu de réjouissance, au motel. Vous communiquiez avant, vous aviez les numéros de téléphone. C'est vrai, il est devenu président, chef de l'État. Les choses ont changé. Mais j'imagine qu'il y avait encore cette proximité. Ça, c'est l'heure de réjouissance, ça, c'est avant le temps de l'Anse à Conté. D'accord, je comprends. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous étiez quand même toujours proche, au 28, jusqu'au 28. Et vous, et Toumba, et le président Dadis, et Konaté. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. D'accord. C'est ce que je sais. Alors, puisque vous ne l'avez pas vu au stade, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous dites? Puisque vous ne l'aviez pas vu au stade, vous étiez venu le chercher au stade, il était censé être au stade. Vous êtes venu, vous avez trouvé un dispositif, dont les pick-up blancs, donc de la garde parallèle. Alors, à partir du moment où vous n'avez pas constaté la présence de celui que vous êtes sorti chercher, quelle devait être votre attitude militaire?
Mon attitude était de quitter. Et de faire quoi? De quitter, c'est tout, le terrain. Et de retourner à la base? Ou de oui, continuer à le chercher? S'il n'y a pas une éventualité qui m'occupe, je retourne à la base. Alors, est-ce qu'il y avait une éventualité qui vous occupait le plus? Qui m'a motivé vers le colonel Tegoro. Donc vous l'avez vu partir, le colonel Tegoro, du stade? J'ai expliqué ça. D'accord. Mais pourquoi vous l'avez suivi? J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Vous avez dit que c'était pour protéger les leaders politiques, puisque selon vous, il y aurait des infiltrés. C'est bien cela? J'ai largement expliqué. Je crois que oui ou non, c'est... Posez-moi c'est des cela. Questions. J'ai dit, j'ai expliqué oui. Cela. Je crois oui, c'est bien. Une question, oui ou non, si c'est cela. Si vous confirmez. Je confirme. Merci. Alors, qu'est-ce qui devait vous préoccuper le plus? La sécurité du chef de l'État ou la sécurité des leaders politiques? Pas seulement les leaders politiques, il y a les citoyens aussi. Mais si tu es en mesure, si tu n'es pas en mesure, mais tu quittes. D'accord, les citoyens aussi. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y avait des citoyens étaient en danger au stade ce jour? Mais c'est le danger, c'est pourquoi il y a eu des morts après nous. On a entendu qu'il y a eu des morts. Je n'ai pas vu de corps. Pourquoi est-ce que vous quittez là où il y a le danger, vous courez, vous suivez le colonel Tegoro pour dire non, je m'en vais sauver les leaders politiques parce que je pense qu'ils sont en danger, alors que vous quittez des milliers de personnes sous votre nez qui sont en danger? Même moi, j'étais en danger. Même moi, j'étais en danger parce qu'il faut ordonner les gens que tu connais. Tu risques même de perdre ta vie. Vous étiez en danger. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que je ne connaissais personne parmi ceux-ci. Parmi ces? Oui, je ne voyais pas quelqu'un de ressemblance que je pouvais nommer. J'ai largement expliqué ça. Mais dans le stade, vous avez vu Tumba. Tumba est sorti. Il vous a même donné un coup. Par erreur. J'ai expliqué ça? Oui, je sais. Comment vous expliquez que dans ce stade où il y avait des milliers de personnes, que vous vous retrouviez au même endroit avec le commandant Tumba? Comment vous expliquez ça? Il y avait assez de monde. Parce que nous faisons le même service. Donc effectivement, est-ce qu'il n'a effectivement pas raison lorsqu'il dit que vous l'avez suivi à partir du pont de Madina? Ça, c'est selon lui, mais ce n'est pas moi. C'est selon lui. Mais votre présence et le coup que vous avez reçu de lui viennent corroborer cette thèse, cette version de Tumba. Parce que si vous ne le suiviez pas, vous ne pourriez pas, avec ce tohu-bohu, avec cette panique, être au même endroit, tellement proche, qu'il vous ait donné un coup par erreur. Si j'avais l'autorité d'un groupe là-bas, Tumba n'allait pas sortir avec les leaders. S'il y avait, pardon? Si j'avais l'autorité sur un groupe d'hommes au stade, le commandant Tumba n'allait pas sortir avec les leaders. Non, non, je n'ai pas dit que vous aviez de l'autorité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que je vous réponds. D'accord. C'est noté. Alors, après... La clinique Ambroise Paris. Où est-ce que vous êtes allé? Je vous dis que Tumba, c'est mon chef. Oui. Si je le vois dans un lieu, celui que je suis, je n'ai plus droit à suivre une autre personne que lui. C'est pourquoi nous sommes rentrés ensemble au camp, sans troupes. Un militaire n'abandonne pas sa troupe dans un lieu de combat. Est-ce que ce n'est pas... Oui, ça je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas... À cause de ça que vous l'avez suivi, vous êtes rentrés ensemble dans le stade. Parce que vous êtes venu le On trouver. On n'est pas rentré au même moment avec Tumba au stade. Vous êtes rentré au même moment avec qui au stade? Je réitéré ça, maître. Il ne faut pas revenir en arrière. Je suis rentré seul au stade. Je vous ai dit que si j'étais avec un groupe et ordonné quoi que ce soit. C'est l'armée avant tout, hein. Vous n'aviez pas de téléphone? Ouais,
j'avais le téléphone, mais je n'avais même plus le numéro en tête. Hein. Est-ce que vous aviez communiqué avec le commandant Toumba, puisque c'est votre chef hiérarchique? Non, je n'ai pas communiqué avec Toumba. Vous n'aviez communiqué avec personne? Je n'ai pas communiqué. Si j'avais communiqué avec quelqu'un le matin, j'allais le dire. Mais nous pensons que la communication, elle est essentielle pour vous, garde présidentielle, lorsque surtout, lorsque vous êtes en train de chercher le président qui a disparu, on va dire comme ça. La communication n'est-elle pas intéressante, importante pour vous, voire même primordiale? Lui-même, le matin, il avait déjà donné sa destination, c'est pourquoi on s'est rendu là-bas. D'accord. Alors, lorsque vous êtes revenu au camp, il faisait quelle heure environ? Est-ce que c'était le soir? Est-ce que c'était la nuit? Ou c'était quelle heure? Oh, c'était pas le soir. Ça n'a pas duré, si on n'est pas rentré le midi comme ça, ou bien 11h, je crois. Bien. En tout cas, il n'était pas 13h. Hein? D'accord, il n'était pas 13h. Et quand vous êtes arrivé au stade, à qui est-ce que vous avez rendu compte? Ou à qui est-ce que vous avez demandé la position du président? Moi, je n'ai plus demandé position du président. Ce que j'ai vu, ça m'a frustré et je suis resté calme. Donc, vous êtes allé directement dans votre chambre, c'est ça? Ouais, je suis venu à la présidence, j'ai rebouché le chemin, j'ai allé me reposer chez moi, à la cité Panival. Je suis logé au camp. Avec tout ce qui venait de se passer, monsieur Marcel, pouviez-vous avoir la tranquillité de vous reposer ce jour à partir de 13h? Mais tranquillité, je ne suis pas chef d'état-major, ni ministre de la Défense, ni chef d'état-major particulier à la présidence. Je suis qu'un subordonné. Qu'est-ce que je pouvais faire? D'accord, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi est-ce que vous êtes mais sorti? Mais je ne peux rien. Pourquoi est-ce que, d'accord, je vous le concède. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes ni l'un ni l'autre? Pourquoi est-ce que vous êtes sorti alors? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Mais vous étiez sorti chercher le président. Est-ce que vous ne trouvez pas que la logique voudrait que, une fois au retour au camp, que vous cherchiez à savoir s'il se porte bien ou s'il est là pour aller le voir et dire « Tiens, monsieur le président, c'est vous qu'on était en train de chercher depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Je n'avais plus le moral de lui demander d'aller vers lui pour ça. D'accord. L'expérience là n'était pas venue à moi de ce que vous expliquez. J'ai agi selon l'esprit qui m'a animé. D'accord. Et quels étaient vos échanges avec Toumba, puisque vous êtes rentrés au camp ensemble? Bon, Toumba est rentré chez lui, je suis rentré chez moi, c'est tout. Vous n'avez pas échangé autour du président? Non, puisque vous non, deux, moi, et Toumba et vous étiez sortis à la recherche du président. Est-ce que vous n'avez pas échangé pour dire... On n'est pas habitué à ça. C'est Marcel. On n'est pas habitué à ça, même à Colombe, à Bambéto. D'accord. Est-ce que M. Toumba vous a demandé, durant tout ce parcours, je suis sorti chercher le président, est-ce que tu l'as vu? Vous aussi, est-ce que vous jamais, lui avez demandé réciproquement? J'ai jamais causé avec Toumba sur ça. Pourtant, vous étiez tous sortis ensemble pour ça. Oui, mais j'ai jamais causé. Vous voulez que je dise les contre-vérités? Est-ce que réellement vous étiez sortis chercher le président? Bon, prenez ce que vous voulez, maître. Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que vous étiez réellement contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara? Candidature, mais il était militaire, il ne pouvait pas être candidat. Ou est-ce que vous étiez contre qu'il se présente? Pas contre ou pas, mais c'était pas notre convention de se présenter aux élections. S'il l'a fait, c'est pourquoi les inconditionnels, je donne comme ça, ce qu'ils l'ont poussé sur ce chemin. Pourtant, Toumba et vous, la veille du 28 septembre, soit le 27 donc, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Non, pas un mouvement de soutien. Vous savez... Ils étaient venus faire quoi? Vous savez, mouvement de soutien. C'est pas la campagne présidentielle, ça. Mais c'est ce que Toumba a dit, ici. Non, mouvement de soutien. On peut saluer un chef d'État. Une communauté peut venir saluer un président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il faut te présenter candidat. Ce n'est pas seulement ceci. Il y a la Haute-Guinée qui est venue. Il y a eu la danse à la présidence là-bas. Les artistes sont venus magnifier son pouvoir.
D'accord. C'était pas dû à un concours. Idée de se présenter, cela dépend de lui, de ses discours qu'il tenait maintenant, que les leaders ont senti en lui. Mais nous, non. Moi, d'accord, personnellement, non, je ne voudrais pas qu'il se présente candidat. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser quelques questions à M. Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez participé à un rassemblement militaire au Kansaya? Non. Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp de participer au rassemblement les matins? Vous dites, est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp Alpha Diallo de participer à un rassemblement tous les matins? Bon, nous, la présidence, le rassemblement c'est vendredi, hein? Les autres maintenant c'est dans les différentes compagnies. D'accord. Quand le président Dadi sortait, on voyait des dizaines de militaires derrière lui pour assurer sa sécurité. Je voudrais savoir qui désignait ces militaires-là. Vous savez, c'est un tour de rôle. La garde, c'est un tour de rôle. Une seule personne ne peut pas garder un chef d'État durant toute une année ou bien même une semaine. Il doit se reposer. C'est une structure. Je ne connais pas la personne en proprement dit, mais il y avait un commandant quand même du salon. Oui, ma question c'est de savoir, je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait faire tout ça. J'ai demandé qui désignait ces militaires pour sortir avec le président. Désigner, oui. Quand le président veut sortir, il informe son aide du camp. Et si nous sommes informés, on vient, on met le dispositif, Toumba et moi, pour qu'on puisse bouger. Mais s'il le fait à notre insu, je ne peux pas comprendre cela. Alors, je veux savoir, les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Vous dites? Les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Tout ce qui était à la présidence était sous le contrôle du président. Donc, même si un militaire n'était pas désigné par le chef de la garde présidentielle, dès que le président sortait, chacun avait le droit de sortir, de le suivre comme ça. Ça dépend des dispositifs mis en place. Oui, c'est relativement à ces dispositifs que je pose la question. Et du milieu où vous allez, si c'est bien coordonné. Oui, d'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez été désigné pour sortir? Moi, je suis désigné à chaque moment et à chaque temps. Dès que le président sort, je ne suis pas un homme à être désigné. Je suis un garde rapproché. Ah, pourquoi est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient ces mêmes privilèges que vous? Privilèges ou pas, chacun avait son travail. Non, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient le même privilège de sortir avec le président à tout moment s'ils le veulent? Oui, il y avait des gens. Il y a d'autres qui pouvaient rester dans le salon et quand le président sort. On ne vide pas le camp. D'accord. Lors de votre premier passage, vous aviez déclaré que c'est dans votre bureau au camp Alpha Yaya Diallo que vous avez poursuivi votre convalescence. Je voudrais savoir, est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Hein? D'accord. C'est pas un peu de la fausseté. Est-ce que vous aviez un garde-corps, M. Marcel? Un garde-corps ne peut pas avoir un garde-corps. Mais Monsieur Ceci Raphaël là-bas a déclaré au juge d'instruction que vous aviez un garde-corps. Non. Est-ce qu'il y avait un militaire parmi les éléments de la garde présidentielle du nom de Oké? Qui? Oké. Est-ce qu'il y en avait? Oka. Oka ou Oké, est-ce qu'il y en avait?
Et il y avait un haut cas avec le ministre de la Défense. Ce n'était pas votre garde-corps? Non. D'accord. Au cas, tout le monde le connaît. Il était avec le ministre de la Défense. C'était même son aide du camp, à la fin. Dans votre bureau, le bureau où vous avez poursuivi votre convalescence, vous traitiez quel genre de dossier là-bas? Bureau? Oui. Moi, je n'ai pas de bureau. Mais vous avez dit que vous avez poursuivi votre convalescence dans votre bureau. C'est vous qui le dites, bureau. Mais vous avez confirmé. Vous accompagnez. Je n'ai pas de bureau. Je ne suis pas service d'antidrogue ou bien commissariat. Déjà, vous vous rétractez? Non, pas rétracté. Tout le monde était logé. C'est 200 logements. Ceux qui avaient des soldats même qui étaient 5, 6, 7 personnes dans une chambre. Alors, voilà. Moi, ma question, c'est de savoir, quelqu'un qui est écarté par le président, qui n'est pas l'adjoint du chef de la garde présidentielle, oui. Comment il peut avoir un bureau et avoir un garde-corps? Moi, je n'avais pas de garde-corps, c'est vous qui vous confirmez, vous le dites. Et vous m'avez posé, je l'ai répondu. Vous continuez encore à... Pour le moment venu, vous serez confronté à M. C. Raffarin. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir, le 28 septembre 2009, selon vos déclarations, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, au bord de la route, lorsque vous avez vu le convoi du président de la République passer. Est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir votre ami Turam aussi passer? Vous confondez, je crois que quand on est là à parler, il faut écouter. Je n'ai pas dit que Turam passait. Si vous voulez que je revienne sur les mots, c'est pas comme ça. Monsieur Marcel, je ne confonds absolument rien. Rien. Il n'y a aucune confusion dans mes propos. Oui, vous dites que Turam, c'est là-bas que vous avez vu Turam passer. Et je n'ai pas parlé que Turam passait dans mes déclarations ici. Et si vous le dites, c'est ce que je vous dis. D'accord. Passé ou pas passé, est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir M. Turam? J'ai beaucoup expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est à M. Turam que vous avez demandé. Où est le commandant Toumba? Il vous a dit que le commandant Toumba est sorti avec le président. Alors, si réellement... Il est vrai que vous étiez là-bas pour voir le convoi, ensuite voir M. Turam. Pourquoi vous n'avez pas reconnu le véhicule du commandant Toumba? Ça, c'est votre explication. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. C'est ce que vous avez déclaré ici? Non. D'accord. Vous avez le droit de nier tout? Non. C'est vous qui dites, hein? Le tribunal nous regarde. Hein? Je n'ai pas dit ça ici. Alors, le véhicule... Le véhicule du commandant Toumba, est-ce qu'il était fumé? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre que lorsque vous avez vu le colonel Thiébro au stade, vous avez compris qu'il a mal guidé le président Dadis. Vous avez même dit que vous avez eu la rage. Vous avez pris la décision de l'arrêter. Mais je veux comprendre, comment vous avez rapidement compris que c'est lui qui a mal guidé le président Dadis, sur le champ même? Nous sommes sur le terrain, nous sommes à la présidence, nous voyons ses façons de faire. C'est ça qui m'a poussé à ça, à le dire. Il faut connaître l'homme. Nous sommes devant le tribunal. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son caractère. D'accord. Ça veut dire que c'est à partir du stade même que vous avez compris que c'est le président Dadis qui est derrière ce massacre? Depuis le départ, la préméditation, les mots... Voilà. Il faut résumer et tisser la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, depuis le matin, vous avez entendu le président Dadis donner l'ordre à son chef des opérations de massacrer les manifestants. Vous venez de dire que depuis le matin, vous avez compris à travers la préméditation.
Alors, pourquoi sortir derrière un président qui est parti, qui a déjà donné l'ordre et qui est lui-même sorti pour aller massacrer les manifestants? Pourquoi sortir pour le protéger? Lui vient massacrer les manifestants, vous venez le protéger. Pourquoi? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense bien que les faits sont têtus. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Mais mon devoir, c'est ce que j'ai accompli. En reconnaissant que vous êtes sorti pour aller protéger un président qui allait massacrer sa population, est-ce que ce n'est pas un aveu de complicité, mon capitaine? Non, je ne suis pas complice de cette affaire. D'accord. Je ne suis pas complice. Je suis loin de ça. Le 28 septembre, le colonel Thiébro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilavogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait, donc ce n'est pas un crime aussi. Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'aviez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la vie sauve? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, c'était dans des bandades. À des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester une minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Thiébro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas de même maître. D'accord. Ce soldat n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Ah, il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé. Et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleure. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné, ça c'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Thiébro. Mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après, la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je pense pas avoir fait minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Où vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alfaya Diallo qu'après 16 heures? Où vous avez passé la journée? Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer
Maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. J'ai plus de réponse pour ça. Mon commandant, on ne vous a pas posé cette question-là. Où vous avez passé la journée? Je suis au cas Alpha. Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alpha Yaya Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr. Où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara? Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que vous êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non. D'accord. Mais quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais est-ce l'homme que c'est possible? Qui est devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas un chef d'état-major ou commandant. Comment dirais-je, commandant de la gendarmerie ou police? Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien? Je peux rien. Là, c'est clair. Mais vous avez voulu arrêter le colonel Tigbro? Bien sûr. Vous ne pouvez pas sauver les civils? Sauver dans quel sens? Il faut être une autorité. Pour venir maintenant avec une force pour faire des choses, mais c'est de faire des bêtises. Mon capitaine, je pense qu'au moment de la prise du pouvoir, vous n'aviez que le grade de caporal. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu le courage, que vous avez été la clé qui a ouvert la porte du pouvoir au président Dadis. Maintenant que vous aviez le pouvoir, après avoir osé les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines, les braver pour donner le pouvoir au président Dadis, vous ne pouvez pas avoir le même courage pour sauver vos propres populations au stade? C'est pas les mêmes missions, c'est pas le même contexte. Voilà. C'est pas les mêmes missions, mais pas les mêmes contextes. Si j'agissais et qu'il y avait autre chose, j'allais être responsable. Voilà. D'accord. Vous avez laissé les civils au stade pour suivre le commandant Toumba, le colonel Tiebro. Vous êtes revenu. Vous n'avez même pas daigné jeter un regard là-bas. Mon capitaine, est-ce que c'est cela qu'on vous a enseigné à la formation? Ce n'était pas ma mission. Non. Ma question, elle est très claire. Est-ce qu'on vous a enseigné ça à la formation? Je dis que ce n'était pas ma mission. Vous ne pouvez pas connaître la formation militaire. Il faut y aller. Mon capitaine. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la formation militaire, mais c'est que la façon dont vous posez cette question, ce n'est pas comme ça. En laissant votre propre population civile sous les balles, en quittant les lieux avec un véhicule vide pour partir, est-ce qu'il n'y a pas de votre part un aveu de non-assistance à personne en danger? Non. D'accord. Le tribunal va apprécier. Il faut secourir quelqu'un que tu pourras secourir. Mais si tu ne peux pas, il faut dégager. Il n'y a pas de problème. Alors, vous-même, vous avez déclaré à cette barre que vous avez vu Degré entrer au stade en tirant qu'il était avec ses éléments. Vous avez même dit que ce sont des cruels. Vous avez employé le même mot. D'ailleurs, vous avez plusieurs fois employé les mêmes mots que le commandant Toumba. Vous avez dit que ce sont les cruels. Je veux savoir quels sont ces éléments-là, ces cruels qui étaient avec Begré. Bon, je vous ai dit, Begré est rentré au stade, mais je ne l'ai plus vu dans le stade. Le stade est large. C'est pas quelle était leur mission. Si je le voyais, j'allais dire, Begré, cesse ce que tu es en train de faire. Mais je ne l'ai pas vu à l'enceinte dedans. Mais il est rentré quand même.
Non, je n'ai pas dit que... Je crois bien que tout ce qui a été passé, ce n'est pas les mouvements du... Avec toutes les explications des victimes, ce n'est pas dans un même lieu qu'il y a eu les... comment dirais-je, les dégâts. C'est tout autour, au long du... à l'enceinte du stade. Mais si vous n'avez pas pu identifier... On ne peut pas rester là et voir ce qui se passe dans l'autre position. Si vous n'aviez pas pu identifier ces éléments, comment vous auriez pu les qualifier de cruels? Begré, naturellement, il n'était pas... Il était... La folie de grandeur, l'animé, c'est ça. C'est ce qui m'a poussé. Il a même giflé un journaliste ici. À la RTG, à l'entrée là-bas de Koundara. D'accord. Vous-même... Vous dites que vous avez vu les cruels entrer au stade en tirant. Non, je n'ai pas dit j'ai vu des cruels. Ça, c'est votre mot. Mon capitaine, c'est votre mot utilisé oui, à cette part. Mais je n'ai pas dit que j'ai vu des cruels rentrer. C'est la phrase. Mais vous avez vu Begré et ses éléments, ce sont les cruels. C'est ce que vous avez dit. Alors, vous voyez les éléments qui sont cruels entrer au stade en tirant. Entre... poursuivre ces éléments-là et les arrêter. Et pour chasser le colonel Tchegro qui avait les leaders dans son véhicule, qu'est-ce qui était urgent? Si je voyais Begré, j'allais agir contre lui, mais je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. C'est ce que j'ai dit dans mes déclarations. D'accord. Vous avez aussi déclaré à cette barre que lorsque vous avez quitté le camp pour venir rechercher le président Dadis, avant d'entrer au stade, dès que vous avez vu un dispositif militaire, vous vous êtes dit que le président est là. Ce dispositif-là, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Vous savez, le président Dadis, c'est un homme de surprise. Il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Quand tu trouves un dispositif comme ça, que le président lui-même est sorti, l'instinct te dit qu'il est là. Voilà. Mon capitaine, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Bon, le dispositif habituel, il faut être en distance. Tu ne peux pas être à 800, 700 mètres de distinguer. Mais c'était des dispositifs militaires. On ne peut pas être sans commander par quelqu'un. Quels sont les éléments que vous avez reconnus dans ce dispositif? Je n'ai pas remarqué et j'ai dit qu'avant que je n'arrive sur le point, ils ont bougé. C'est ce que j'ai dit ici. Vous cherchez le président, vous voyez un dispositif semblable à celui de sa garde, vous ne cherchez même pas à identifier un seul élément? On peut vous croire, mon capitaine? L'identification a été faite à la rentrée du stade. J'ai vu des gens rentrer, c'est beaucoup, c'est tout. Ceux dont j'ai reconnu, j'ai cité leur nom. Mon capitaine, vous avez aussi déclaré que sur votre chemin de retour, les gens sont venus pour entrer dans votre véhicule. Mais vous avez fini par comprendre que c'était les miliciens, ceux qui ont opéré au stade. Oui, j'ai vu des gens. Moi, je pensais que c'est les jeunes manifestants qui sont fatigués, l'ont signalé. Donc, il fallait les mettre ses coups. C'est ce qui a fait même il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Sinon, on était au chevet. J'ai un peu ralenti. Et lorsque j'ai constaté le maillot qu'il portait, j'ai accéléré. Je ne me suis pas arrêté. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, je ne peux pas prendre ces hommes pareils dans mon véhicule. Non, pas prendre, les arrêter. Non, mais non, ce n'était pas le moment de les arrêter. Pourquoi ce n'était pas le moment? Parce que le président lui-même, il est au courant de cette situation. Ah, mais vous avez déjà pris la décision d'arrêter le colonel Tchegro. Pourquoi ne pas arrêter les miliciens que vous avez vus opérer au stade? Ça, c'est les conditions du terrain. Je ne me suis plus, parce que mon chef était devant moi et je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est selon votre analyse. Hein. Alors, au stade du 28 septembre, selon divers témoignages, les miliciens
et autres infiltrés ont opéré avec les armes blanches dans les bois. Et il résulte de plusieurs déclarations que vous également, vous avez frappé les gens dont M. Sidya Touré avec un bois. Vous avez utilisé le bois, sinon les bois vous-même, M. Marcel Dilabogui, en utilisant les mêmes armes que les miliciens. Est-ce que cela n'est pas la preuve que vous-même, vous avez dirigé ces miliciens-là? Preuve. Déclaration oui. Qui est preuve. Vous dites bois? Est-ce que ce n'est pas la preuve non, vous dites que c'est vous qui avez dirigé ces miliciens-là? Vous stade? Dites un bois. Bois, oui. Moi, je ne suis pas un militaire qui prend du bois. J'ai beaucoup expliqué ça. Je crois que vous voulez revenir que je dise d'autres choses. Moi, je n'ai plus de réponse pour ça. Le président l'a apprécié. J'ai beaucoup parlé de ça. On ne fait que revenir en arrière. Personne ne vous ramène en arrière. Vous parlez de la normalité. Or, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, ce jour était hors de toute normalité, selon diverses sources. Beaucoup de militaires ont utilisé les armes blanches ce jour-là, M. Marcel, dont vous. Non, moi je ne marche pas avec armes blanches. D'accord. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, là aussi, selon plusieurs éléments du dossier, il y a eu des tirs sur la route de Prince. Les miliciens quittaient le camp Alpha Yaya pour aller attaquer les habitants. Est-ce que vous avez constaté cela? Moi, je n'ai pas vu ça. C'est ici que j'ai appris ça. Hein. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Non, tirs, non. Je n'ai pas entendu des tirs. D'accord. C'est ce que vous déclarez là. Alors, je voulais savoir, je ne suis pas loin de finir. Vous étiez au stade. Commandant Toumba était au stade. Le président a donné l'ordre d'arrêter le commandant Toumba. Pourquoi pas vous? Ah, je ne sais pas. Il n'a qu'à poser cette question au président Dadis. S'ils ont entamé d'arrêter Toumba, peut-être après Toumba, c'est fini avec moi. Et c'est ce plan qui n'a pas réussi. C'est pourquoi la vérité est en train de clasher. Je n'ai pas compris. Vous avez dit avec vous, arrêter Toumba avec vous. J'ai dit... Oui. Selon votre déclaration, on finissait avec Toumba, peut-être c'était avec les tours de Marcel, mais c'est ce qui n'a pas marché à leur niveau. Mais le commandant Toumba dit que vous-même, vous avez été mis dans le plan pour son arrestation à cette barre. Non. Il a cité son chauffeur, non, je crois, c'était un Jeannot, que vous avez été mis dans le plan pour l'arrêter. Il a déclaré ça ici? Je n'ai pas entendu ça. Il a déclaré ça, c'est vérifiable, non, mon capitaine. Je n'ai pas entendu ça, ne dites pas, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Si le président n'a pas ordonné que vous soyez mis en arrestation, est-ce que cela n'est pas la preuve que vous n'avez jamais été écarté du pouvoir, que vous êtes demeuré au cœur du pouvoir et vous étiez même l'un des éléments les plus aimés du président Dadis jusqu'au 28 septembre? Ce n'est pas la preuve, jusqu'après même. Est-ce que cela n'est pas la preuve? Mais vous dites les choses avec le contraire. Le colonel Pivi a parlé ça ici, que... Ils avaient dit d'arrêter Toumba et Marcel. Si vous dites encore que le président Dadis n'avait pas ordonné, moi, ces arrestations-là, c'était des arrestations arbitraires. C'est ce qui a causé le 3 décembre. C'est le colonel Pivi qui avait décidé de vous arrêter les deux. Mais le président Dadis, lui, n'a jamais dit de vous arrêter. Il n'a pas décidé. S'il décidait, il allait le faire. Il a été empêché par le président Dadis, selon sa déclaration. Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Hein. D'accord. Alors, je voudrais savoir, pourquoi tout le monde a cité votre nom? C'est M. Marcel qui a frappé, c'est M. Marcel qui a donné les coups, c'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges piller la pharmacie à l'hôpital d'Onka. C'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges pour sortir... les victimes pour faire disparaître les corps à partir de la morgue de l'hôpital d'Onka. Pourquoi tout le monde parle de votre nom, pas les autres militaires? Okay, en tout cas, pas plus que vous. Pourquoi c'est vous toujours?
Aucun victime n'a dit si Marcel a dissimulé un corps. C'est vous qui déclarez maintenant. Nous avons plusieurs éléments ici selon lesquels vous êtes venu avec un groupe de bérets rouges à l'hôpital d'Onka. S'il vous plaît. Vous savez, maître, nous sommes devant l'histoire avant tout. Vous êtes un avocat. Ne commentez pas et ne dites pas ce qui n'a pas été dit. Je suis là, ça fait. Nous sommes presque dans combien de mois? Aucune victime n'a dit que Marcel a dissimulé un corps. N'englobez pas les choses et mettez sur ma tête. Le tribunal n'a qu'à apprécier de ce que vous dites. Mon capitaine, vous avez été formellement identifié à l'hôpital d'Onka, à la tête des bérets rouges qui sont venus là-bas. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été à l'hôpital d'Onka, ni à l'hôpital Ignacity, qui ce sera pour quiconque mission concernant le cas du 28 septembre. Moi, Marcel, qui suis devant vous, ce n'est pas Marcel. Et ça ne ressemble pas à Marcel. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, dans votre plan, le 28 septembre 2009, est-ce qu'il était prévu de prendre les manifestants et de les amener au camp Koundara? Est-ce que c'était prévu? Je n'ai pas de réponse pour ça. Moi, je n'ai pas de plan pour le 28 septembre. Je n'étais pas informé. Pourquoi vous avez déclaré au stade du 28 septembre que ce Jean-Marie Doré devrait être amené au camp Koundara? Lisez bien. Moi, le feu Jean-Marie, il est confus. Il parle d'Inimo dans son procès verbal. Moi, je ne peux pas faire une émission avec l'Inimo. Vous connaissez l'Inimo? Moi, je suis de Massanta avant tout. L'Inimo, ça, c'est les rebelles. L'Inimo, ce n'est pas les militaires de l'armée guinéenne. Et l'Inimo a pris fin depuis l'avènement de la rébellion. Il ne faut pas venir commenter ton procès verbal avec des mots pour toujours recharger. Non. Mon capitaine, ce Jean-Marie Doré était une personnalité particulièrement licite. Je le sais. Je ne peux pas se tromper. Mais ils ont dit des contre-vérités ici. Que le peuple a failli mettre feu, il a voulu mettre le feu dans le pays. La transition, j'étais en prison. L'eau est empoisonnée, le pain est empoisonné. Il y a eu des chaos à l'intérieur du pays, dans les différentes préfectures pour ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mon capitaine. Et c'est pourtant, ils sont des responsables. Maintenez-nous dans la salle d'audience. Je suis dans la salle. On parle du feu de l'honorable Jean-Marie. Mon capitaine, je vous lis ce petit passage de sa déclaration. Un des soldats a dit à Marcel Guilavogui, je lui lance deux balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire. Et que je serai conduit au être égorgé. C'est votre déclaration? Non, oui ça, ou non? Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est des fausses déclarations. C'est les contre-vérités. Mon capitaine. Un soldat. Des femmes. Mon capitaine, des femmes ont été enfermées au camp Koundara durant des semaines. Où elles ont été soumises à des os de la cruauté, mon capitaine. Si vous n'étiez pas mêlé à ça, est-ce que vous auriez dit qu'il faut amener ce Jean-Marie Doré là-bas, si vous n'étiez pas mêlé à ces plans-là? Moi, je ne suis pas mêlé. Je ne suis pas commandant de Koundara pour amener un élément à Koundara. Voilà. Koundara, non? Tous ceux qui ont passé ici, demandez-les. Et même les victimes qui ont annoncé qu'ils étaient à Koundara. Non. Moi, c'est ici que j'ai appris tout ça. C'est ici. On ne peut pas contrôler tous les camps. Hein. Donc, le camp Koundara était incontrôlable. Mais c'était sous le contrôle de son chef qui rendait compte à son président. D'accord. Mon capitaine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes un élément clé
du massacre survenu au stade du 28 septembre, de la dissimulation des corps, de la séquestration des femmes dans les différents camps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis loin de ça et vous n'avez pas de preuves. D'accord, c'est pour ça qu'il est encore loin. Il est très bon de danser au moment où la musique se joue problème, et on vous applaudit. Je ne suis pas de ce genre. Il y a un moment pour toutes choses. Je n'ai pas participé à ça, maître. Il ne faut même pas m'intimider avec ça. On ne peut pas vous intimider. Voilà. On ne peut pas. Voilà. On n'est pas là pour vous intimider, mon capitaine. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment. Je vous remercie. Le tribunal renvoie cette affaire au 18 juillet 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.